Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, bienvenue chez Marguerite. Vous êtes Mary James, dans son salon, on va dire ça. Où Marguerite invite régulièrement, en tout cas chaque année, des auteurs. Nous avons Isabelle Bilisky qui a déjà eu l'occasion de passer, non pas dans le salon, mais dans le jardin peut-être. C'était dans le salon. Dans le salon. C'était dans le salon. La troupe de novellas et des poètes sont passés par le jardin, moi y compris. Donc voilà, deux petits mots sur Novellas ASBL. C'est une association d'artistes qui fait la promotion des artistes, qui a donc un service éditorial. Et aujourd'hui, c'est la fête à Marguerite. Alors on va essayer de parler français correctement. On va éviter tous les belgicismes et autres joyeusetés du genre, puisque Marguerite part à Paris dans 2 semaines. Oui, ben je ne sais pas si je vais laisser mon accent ici ou bien si je vais le prendre avec moi. Non, on va voir. Moi, je n'ai pas d'accent. Ouais. Non, non, bien sûr. Pour un autre belge, on n'a jamais d'accent. Voilà. Et donc, c'est au Salon du Livre de Paris, donc du 21 au 24 mars. Novellas, il y aura 5 exemplaires, 5 derniers titres, dont La Crucifixion de Pierre, dont il est question aujourd'hui.